Salut à tous, on est mercredi, c'est la vidéo pour le WOD du jour. Ne vous moquez pas, si je marche bizarre, c'est parce que j'ai repris l'entraînement lundi, j'ai mal aux jambes. Comme jamais, j'ai une grosse courbature. Donc si j'ai une démarche bizarre, lui rigole, il a vu la caméra forcément. Le WOD du jour, c'est un WOD très très court. Un WOD qui peut être très court si vous êtes vraiment efficace sur les mouvements ici, malgré les doubles under à chaque minute, je vais vous expliquer. 50-30-10, pardon, de 3 mouvements. On commence par 50 hang snatch en alterné, donc ça sera droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Le hang snatch, rappel, c'est un départ suspendu ici avec une finition du mouvement bien bras tendu au-dessus de la tête, d'accord, sur chaque rep. Ok, donc il y a 50 répétitions à faire avec la dumbbell. Ensuite, on aura 30 snatch, donc cette fois-ci, on n'est plus en départ suspendu comme au début, on sera en mouvement complet, donc contact au sol à chaque fois, toujours pareil en alterné, d'accord. Et on finit avec 10 devil press. Alors, le devil press, je vais essayer de vous montrer. On s'allonge au sol et quand on se redresse, swing, snatch. On change de jambe et on change de main, et on recommence le mouvement. D'accord ? Donc, dites début press, ça va très vite. Pour ceux qui veulent se challenger, si vous avez deux dumbbells à la maison, essayez de finir ça avec les deux dumbbells, ça peut être bien. Sinon, pour le haut du jour, ça sera dumbbell de 25 pour les gars, 15 pour les filles, dans l'idéal, ça serait bien. Sinon, kettle de 24 et 16, et sinon, une barre. Bon courage, voilà. Il y a juste une petite particularité sur ce WOD là, c'est que toutes les minutes, et on va commencer le WOD aussi par ça, vous allez être obligé de faire 20 double under. Donc ça forcément, c'est pour ceux qui maîtrisent les double under. Si vous maîtrisez les double under, on prend la corde, on fait 20 début, on pose la corde et on fait un max de snatch dans le temps qui reste de la minute, puisque chaque fois, le chrono commande, à chaque fois au début de chaque minute, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous êtes obligé de repartir sur 20 début. Donc en gros, pour faire simple, le chrono commence, 3, 2, 1, on est lancé. Je prends ma corde, je fais mes 20 double under, ça prend 20 secondes, il me reste 40 secondes. Pendant 40 secondes, je fais un max de snatch. Je suis arrivé ici à 26, par exemple. Et bien, minute suivante, je suis obligé de refaire mes double under, je reprends de 26 jusqu'à 45, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très court, ça ne va pas faire énormément de double under, et c'est pour ça que sur la partie warm-up, on va insister un petit peu sur le travail de la corde à sauter, d'accord. Donc comme d'habitude, mobilité générale. Ensuite, on va s'échauffer bien correctement sur la partie single under, double under et triple under, puisqu'on va faire pour la première fois aujourd'hui en zoom des triple under. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le nom, c'est le même principe que les double under, sauf que quand on va faire un saut, au lieu de passer la corde deux fois sous les pieds, on va la passer trois fois, d'accord. Ce que j'aimerais ensuite sur cette première partie de l'échauffement, c'est qu'on puisse faire ça unbroken. En gros, c'est un WOD à faire entre guillemets four time. Vous ferez en sorte de noter le temps que vous aurez mis pour faire ça. Il y a 50 singles à faire, 30 double under, 30 DU à faire, ensuite 10 TU, 30 DU et 50 single under, d'accord. Donc 50, 30, 10, 30, 50 à faire. L'idéal, c'est de pouvoir faire les 50 single under unbroken et les double under aussi. 50, 30 et 30, 50 unbroken. Alors unbroken, c'est quoi? C'est, je vais partir sur la série. S'il y a 48, vous la prenez dans les pieds, tout ce que vous venez de faire, ça compte à rien, on recommence, ça sert à rien, on recommence à zéro, d'accord. Il faut absolument faire ça en une seule fois. Les 30 double under, pour ceux qui maîtrisent bien, on le fait en une seule fois aussi. Les 10 triple under, on s'essaye. Si au bout d'un moment, on n'y arrive pas, ben, vous passez à la suite, d'accord. Et on recommence, 30-50, c'est terminé. Voilà, après, tout simplement, une petite revue du snatch très rapide, du hang snatch, du snatch complet, revue du mouvement de devil press aussi avec le burpee. Et ensuite, avant de commencer le WOD, on fera un petit émum de 6 minutes dans lequel 6 rounds, vous passerez à chaque minute 20 double under et 8 hang snatch. C'est pas très compliqué, mais ça vous permet de vous échauffer quand même. Donc je prends ma corde, je commence ma minute à faire 20 DU, je pose ma corde, ma dumbbell, je fais 8 hang snatch, je pose, j'attends la minute suivante et je recommence. Donc 6 fois au total, voilà. Je vous souhaite une bonne journée à 18h30 ce soir pour le Zoom, pour ceux qui seront là. Et sinon, à bientôt. Ciao !